Oh dieu, elle est énorme! Elle est énorme! Elle est énorme cette vache! What the fuck! Oh mon dieu, je peux encore la nourrir. Oh non! Oh non, elle a explosé! Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Frugiel, j'espère que vous allez bien. Depuis quelques semaines, j'essaie de vous faire découvrir toutes les versions de Minecraft. Donc il y a quelques temps, je vous ai notamment montré donc les anciennes mises à jour de Minecraft, c'était vraiment nostalgique à découvrir. Puis par derrière, j'ai eu l'occasion donc de tester le second jeu Minecraft qui avait été créé par Notch, qui s'appelait donc Minicraft, qui était lui en 2D avec une vue du dessus, c'était assez bizarre comme un vieux Zelda finalement. Et aujourd'hui, il s'avère que je suis tombé sur le nouveau Minecraft les amis, le fameux Minecraft 2.0. J'avais inventé ce Minecraft, je ne pensais pas qu'il existait. Et dans ma série Frugiel et Fluffy, j'avais dit ouais, j'ai reçu une invitation de la part de Notch pour découvrir Minecraft 2.0. Bah les amis, il existe ce Minecraft 2.0 et vous l'avez sous vos yeux, c'est écrit donc en bas à gauche de l'écran. Et c'était en fait une version créée en avril 2013 pour le 1er avril, ce qui explique ce gros message au milieu de l'écran qui cache totalement l'interface. Une version totalement déjantée, qu'on pourrait presque dire finalement buggée, qui est aujourd'hui finalement disparue, vous ne pouvez plus y accéder depuis le launcher. Mais comme je suis gentil, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo si vous avez envie de jouer à cette fameuse version perdue de Minecraft. On va devoir du coup créer un nouveau monde pour découvrir ce qui a été ajouté, et il y a beaucoup de choses finalement qui ont été ajoutées donc pour ce 1er avril, en blague finalement par l'équipe Mojang. Donc on va faire un nouveau monde qu'on va mettre directement en créative. Je pense que ça me paraît le plus simple, surtout qu'on risque de souffrir parce que j'ai testé un petit peu... Voilà, alors là, oulala, ok, ça commence fort. J'ai testé un petit peu cette version. Oh my god, heureusement que je suis en mode créative. Et à peine arrivé... À peine arrivé, c'est l'apocalypse, les amis. Donc, toutes les deux minutes, voilà, c'est bon, ils sont partis. Oh, je vais pouvoir baisser le son aussi parce que là, c'était un peu violent. Toutes les deux minutes, vous avez comme ça une horde de zombies, des éclairs énormes qui vous tombent dessus. Donc, autant vous dire que si vous avez envie de faire une aventure solo sur cette carte, sur cette mise à jour, c'est mal barré. C'est plutôt mal barré. Donc, ça, c'est la première blague finalement de l'équipe Mojang. Regardez-moi ça. Et la moitié de la forêt a déjà explosé, l'autre moitié est en feu, c'est ridicule. Alors je vous rappelle qu'on est... Alors c'était 2013, c'était quoi à l'époque? La 1.5, 1.6 de Minecraft? En tout cas c'était une vieille version de Minecraft. Et vous allez voir ça du coup, il y a pas mal d'idées de cette version 1er avril qui ont finalement été réutilisées aujourd'hui dans les versions plus récentes. Et c'est là où c'est très intéressant de les comparer et les découvrir. Alors en premier on va s'intéresser aux nouveaux blocs qui ont été ajoutés dans cette version là de Minecraft. Et c'est là où c'est très drôle et justement ça rebondit sur ce que je viens de vous dire. C'est que pour rire finalement, Mojang avait ajouté à ce moment là un bloc de charbon. Ceci, les amis, est un bloc de charbon. Ça n'existait pas à l'époque, et c'est vrai que c'est quelque chose qui a été ajouté assez récemment. Et je pense pour eux, ils se sont dit, oh tiens, on va faire un bloc de charbon, ça sert à rien, pour déconner, tiens, on va mettre ça dans le jeu. Sauf qu'au final, ben, ils ont plutôt apprécié leur idée, j'ai l'impression. Et ils ont conservé cette idée de bloc de charbon, puisqu'on peut aujourd'hui en fabriquer dans les versions plus récentes. Voilà, donc ça c'était assez drôle. Le deuxième ajout, c'est cette espèce de... C'est une dalle de TNT, hein, tout simplement, que vous pouvez également, du coup, activer. Voilà, alors oui, bien sûr, eux, ils vont revenir me gêner à chaque fois. Ça va péter! Voilà, ça leur apprendra à venir me déranger. Donc, une dalle de TNT, ce qui est assez drôle, c'est que, notamment, bah, vous avez moyen de... Regardez, hop, les fusionner, tout simplement, et de créer un bloc de TNT, qui est un bloc de dalle de TNT. Si j'ai bien compris, je l'ai pas testé, c'est un bloc qui fait peut-être une plus grosse explosion, ou qui met plus de temps à exploser, j'en suis pas sûr. Donc là, ce sont bien deux TNT, hein, c'est pas une TNT classique. Ok, d'accord. Alors oui, ah bah heureusement que je suis en game mode, parce que le coup de l'enclume, je pense que ça m'aurait tué. Donc ça fait tomber des enclumes en plus, ce truc-là. On avait également, on va commencer alors non pas par ces blocs colorés, mais par ces torches. Toutes les torches du jeu, voilà à quoi elles ressemblent dans cette mise à jour 1er avril. Donc vous ne rêvez pas, ce sont des torches éteintes, mais vous avez la possibilité de les rallumer avec un briquet comme ceci. Donc ils ont ajouté la version éteinte de la torche. C'est une bonne idée d'ailleurs, c'est une idée qui a été souvent développée en mode. Il y a plein de modes qui permettent d'ajouter un côté réaliste aux torches. Par exemple, la torche s'éteint au bout d'un moment, ou alors elle s'éteint sous la pluie, ou vous avez moyen justement, si vous avez du charbon ou un briquet, de rallumer votre propre torche. Bah là c'est pareil, c'est-à-dire qu'au bout de quelques temps, la torche va s'éteindre. Alors j'ai pas le timing, donc là je sais pas combien de temps ça va prendre pour qu'elle s'éteigne. Et vous serez obligé de rallumer vos torches, excusez-moi. Donc ça veut dire que par exemple, si vous en mettez plein dans les grottes, bah voilà, elles vont s'éteindre derrière vous, vous allez vous retrouver dans le noir, à moins d'avoir un briquet sur vous. Et pour continuer dans la catégorie des idées assez drôles qu'ils ont conservées finalement par la suite, bah vous avez des blocs de vitres colorés.
pareil, ça n'existait pas à l'époque, et là ils se sont dit, bah tiens, on va mettre des blocs de vitre colorés. Donc ça ressemble pas exactement aux blocs de vitre colorés qu'on a dans le Minecraft actuel, mais il y avait déjà une base, il y avait déjà une idée assez intéressante, donc vous avez moyen, comme ça dans cette version, de créer de la même façon qu'aujourd'hui vos propres blocs de vitre colorés. C'est assez intéressant, du coup il y a des couleurs qu'on a pas, donc c'est plutôt pas mal. Bonjour petit poulet. Aïe, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je... Eh, c'est une blague, je me fais attaquer par ce poulet. Toi aussi tu m'attaques? Non mais c'est quoi là? Il y a tous les poulets qui m'attaquent! Ok, alors les animaux, oui, il y aura beaucoup de choses à dire sur les animaux, j'ai pas encore tout découvert visiblement. Les poulets ont décidé de me tuer. Non mais ils ont cru que j'étais Link et que je les avais attaqués là. On se croirait dans Zelda, vous savez, avec les poulets là, qui vous attaquent quand vous commencez à les déranger. Lui aussi va m'attaquer! Lui aussi il m'attaque, j'ai l'impression que quand je cible les poulets, ils veulent m'attaquer. Ah oh, bah voilà, ça leur apprendra. Par contre je suis mal barré là. Je suis mal barré les amis. C'est bon. Alors un autre ajout qui est juste génial, que j'ai hésité d'ailleurs à vous montrer en tout premier dans la vidéo, c'est de pouvoir invoquer votre propre Wither personnel, les amis. Vous posez comme ça un bloc de laine rose, vous mettez un pot et une fleur dessus. Regardez-moi ça! Regardez-moi! Hey, arrête de fuir, regarde-moi, regardez! Regardez-moi ça, ce tout petit Wither, qui est pas si petit que ça d'ailleurs, qui a une tête totalement loufoque, et qui n'a qu'une seule tête, hein. Il est un peu bizarre d'ailleurs, et je pense que... Alors si j'ai bien compris, on peut le nourrir, voilà, avec du sucre, ah du coup... Ah bah voilà, c'est bon. Les têtes ont poussé. Waouh, mais il veut me faire des câlins, j'ai l'impression. Du calme, recule, recule, mon petit bonhomme. Alors, si j'ai bien compris, c'est un Wither, voilà, qui va partager son amour autour de lui. Je crois qu'il fait pousser des fleurs. Aïe, désolé. Désolé, mon gars. Oui, regardez. Il a fait pousser de l'herbe. Bon, c'est vrai qu'il y a de la neige un peu partout, donc ça se... Donc autour de lui, il fait pousser de l'herbe. C'est assez drôle. Et là, je sens qu'il va, déguster, le pauvre. Ah mais non! Mon petit Wither personnel. Il a noté une Nether Star. Bon, ça, c'est cool. Il y a moyen d'avoir des Nether Stars facilement dans cette mise à jour là. Donc voilà, il vous attaquera pas, donc j'étais en game mode, mais même en game mode classique 0, il ne m'aurait pas attaqué. C'était un gentil Wither, c'est une bonne idée je trouve pour le coup. Je crois que c'était d'ailleurs inspiré d'une mise à jour du 1er avril, qu'il y avait eu aussi auparavant, ils l'ont réutilisé si je dis pas de bêtises, parce qu'il me semble avoir fait une vidéo où j'avais fait apparaître un Wither d'amour, mais... Ça date tellement, je suis pas sûr. Je vous avoue que j'ai un petit doute là-dessus. Voilà, maintenant je vais vous montrer un petit peu ce qui a changé au niveau des animaux. Et notamment, ça se voit déjà sur ces vaches là qui sont apparues naturellement. Elles sont bizarres, non? Elles sont pas un peu bizarres ces vaches? En fait, pour tout vous dire, ce ne sont pas des vaches, ce sont des chevaches. C'est un mélange en fait entre une vache et un cheval. Donc c'est une chevache, les amis. Une chevache sur laquelle normalement. Alors je suis pas sûr, on va tester. Non, vous avez moyen de grimper dessus. Et je sais pas comment ça marche, alors, parce que c'est comme les chevaux, mais j'ai cru comprendre qu'on pouvait grimper dessus, mais j'y arrive pas. En tout cas, c'est une chevache, et vous avez pareil pour la version cochon. Voilà, comment on va appeler ça, du coup? Un cheval cochon, un choco, un chocon, ou alors un cocheux. Bon, c'est nul, il n'y a pas de nom bien, je pense, pour décrire un cheval cochon, ou si vous trouvez un super nom, donnez-le moi dans les commentaires. Donc voilà, vous avez les chevaches et les cheval cochon. Pareil, donc on peut... Lui, je pense qu'on peut monter dessus, voilà, et pour le diriger... Il faut du blé... Ah mais non! Mais c'est pas possible, ça! Bon, ça va, j'en ai retrouvé en vie. Tant pis pour les autres animaux qui se sont fait imploser par les éclairs. On peut également, du coup, découvrir... Alors ça, c'est beaucoup plus rare. Regardez, une poule bleue, les amis, une poule bleue. Et cette poule, c'est une poule incroyable. Si vous en croisez une, vraiment, faites tout votre possible pour la garder en vie. Donc là, je sens qu'elle va mourir malheureusement en se prenant un éclair dans la figure, puisque cette poule ne pond pas des œufs, mais des diamants. Cette poule pond des diamants! C'est un truc incroyable. Elle peut aussi pondre du lapis, visiblement. Je l'ai pas vu faire en vrai, hein. Je vous dis vraiment ce que j'ai compris sur la mise à jour. Parce que, visiblement, ça met du temps. Ah, diamant. Ah bah voilà, voilà. C'est une poule super rare et elle est morte. Forcément, il fallait qu'elle meure. Et un truc aussi super au niveau des animaux, c'est que... Alors ça, je l'ai pas testé non plus. J'attendais de tester ça avec vous. Visiblement, on peut les nourrir. Alors, ça marche pas sur les poulets. On va tester ça sur les vaches. Oui, regardez. Elle gagne, elle augmente de taille. Alors je sais pas combien de fois on peut le faire. Oh mon dieu, elle est énorme, elle est énorme. Elle est énorme cette vache, what the fuck. Oh mon dieu, je peux encore la nourrir. Oh non. Oh non, elle a explosé. Mais what the fuck. Attendez, on va refaire. Oh, regardez, 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 regardez. Regardez-moi ça. Ils sont énormes. C'est génial, on peut nourrir les animaux, les engraisser jusqu'à ce qu'ils explosent. C'est n'importe quoi cette mise à jour. Allez, boum. Explose toi aussi. Oh là là, c'est horrible. C'est horrible, qu'est-ce que je suis en train de faire à ces pauvres animaux. Ça marche aussi sur les chevaches? Non, ça marche que sur les animaux classiques. Bon bah écoutez, c'est un petit peu tristouné cette histoire. Et normalement, en plus de cela, si je dis pas de bêtises, on peut normalement nourrir les moutons avec des pommes. Alors je sais pas laquelle des deux, on va tenter. Ok, c'est la pomme. C'est la pomme classique, regardez, ils s'envolent. Ils s'envolent, c'est l'effet de lévitation, pareil. Ils l'ont inventé après, ils l'ont mis dans le jeu. C'est l'effet de lévitation, en 2013, il existait déjà. Ce mouton
va rejoindre le paradis des moutons avec tous les autres moutons qui sont morts depuis le début de cette vidéo. Ah bah voilà, voilà, voilà. Et là, il va rejoindre encore... Il y aura encore plus de moutons qui vont l'attendre au paradis. C'est assez terrible. D'ailleurs, je donne un cookie à celui qui a compté le nombre d'animaux qui sont morts depuis le début, foudroyés par les éclairs. Voilà, bonne chance à celui qui trouve le chiffre exact. Ils s'envolent, les amis. Ils s'envolent tous vers le paradis. Cette mise à jour, c'est n'importe quoi. Et donc, on va terminer au final avec le dernier truc que je voulais vous montrer. Enfin, il y a encore deux trucs, mais ils sont très rapides à montrer. Les pigmen, en fait, auront toujours un petit panneau dans les mains. Ça me fait penser à Coopération Hostile, où on se battait avec des panneaux. D'ailleurs, c'est un clin d'œil à cela, puisque ce sont des panneaux enchantés avec knockback, tout plein d'effets d'enchant dessus. Donc, c'est assez cool. Je suis pas allé voir dans le Nether, mais ça doit être assez drôle de voir les pigmen avec des panneaux. Et vous avez finalement le dropper qui se transforme maintenant en flopper. Regardez, c'est écrit dessus. Ça s'appelle un flopper. Donc, par exemple, si vous mettez n'importe quoi dedans, on va mettre du blé, et que vous activez le flopper, ça va cracher du poisson. Ça ne sert strictement à rien, et c'est pour ça que je voulais terminer cette vidéo avec ce magnifique flopper, finalement. Et écoutez, des amis, je pense qu'on a fait le tour de cette mise à jour totalement what the fuck 1er avril de Minecraft, la version 2.0 que je ne connaissais pas et qui existe. Voilà, on se couchera moins bête ce soir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un pouce bleu, ça me fera très plaisir. On se retrouve bientôt pour d'autres découvertes dans Minecraft. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien, ciao tout le monde.